pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait, oh dis-nous. Oh dis-nous ce qui t'a fait, oh dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait, oh dis-nous. Oh dis-nous ce qui t'a fait. Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie, oh. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qui m'a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qui m'a fait. Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Oh. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qui t'a fait. Le Seigneur Jésus a changé toute ma vie. Oh. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qui m'a fait. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Il m'a donné. Partagez la vidéo, bonjour. Partagez la vidéo. Ligotez les cœurs. Bouleversez les cœurs. Bouleversez-moi les cœurs. Voilà. Bouleversez-moi des cœurs. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, partagez la vidéo. Mettez les cœurs. Voilà. De toutes les façons, envoyez des étoiles à 200 pour épingler. On dit que vous m'envoyez les étoiles. Donc, ça épingle seul. Envoyez les étoiles, d'accord. Que vous envoyez les étoiles, d'accord. Ok. Bon, c'est pas grave. Même si on n'envoie pas les étoiles, Facebook, c'est Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. De toutes les façons, on ne va pas supprimer la vidéo. De toutes les façons, c'est ça. C'est ça qui est ça. Ce qui est bien dans le live de la diaspora, c'est que personne n'échappe à ton direct. C'est ce qui est bien dans le live de la diaspora. Oui, oui. Quand dans le live de la diaspora, c'est qu'il est bien sous ça. Vous savez, la famille, voilà. Moi, je vais, vous savez, j'ai eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de décryptage, hein, sur Mbopi. Il y a eu beaucoup de décryptage. Donc, moi-même, je vais décrypter ce live. C'est de ça qu'il s'agit. Moi-même, je vais décrypter ce live. Oui, oui. Moi-même, je vais décrypter ce live. Colonel, colonel, bonjour. Colonel, colonel, tu sais qui? Tu n'étais pas avant dans les ténèbres? Ou bien ce n'est pas toi? Parce que je me rappelle, il y avait un profil dans les ténèbres qui s'appelait colonel. Bon, je ne sais pas trop. Donc, voilà. Pour ceux qui viennent de faire la découverte de ma page, je suis Priscaline. Voilà. Bon, la représentante de l'ensemble Cameroun. Voilà. Celle-là qui crée les insubordinations cartésiennes sur la toile. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas d'insubordination cartésienne sur la page Priscaline officielle, mais c'est sur la page de la diaspora. Voilà. Je tiens à rappeler que dans Facebook, il y a trois teams. Je crois que c'est... Bon, trois teams reconnus par l'État. Il y a la team des abeilles.
Il y a la team de la TKC. Il y a la team des Warriors. Bon, il y a aussi la team des Pipitologues. Voilà, c'est quatre teams. Voilà. Ça fait 10 ans, je suis dans la lumière. Je déteste les ténèbres. Ah, d'accord. D'accord, d'accord, colonel, colonel, d'accord. Merci. Voilà. Ça fait beaucoup d'années que nous on suit les mamans-ci. Sont des les quand je dis les mamans-ci, il n'y a pas celle qui est à côté là. Il n'y a pas celle qui est à côté de moi qui est restée là. Celle qui a pas celle-ci. Celle qui a celle qui baisse le visage au sol là. C'est pas bon, c'est un enfant. Voilà, je vais parler d'elle en fait. Parce que l'insubordination cartésienne, ça concerne cette fille en fait. Voilà. Je pense que... Coucou, chic, bonjour. Je pense que mon titre... J'ai mis le titre. Bien vrai, il y a beaucoup de fautes. C'est parce que quand on écrit de façon correcte, Mark Zuckerberg nous dérange. Voilà. Donc pour ça, parfois, vous voyez, nos tests, c'est séparé soit des tirets, soit des virgules, soit des craies, soit on ne termine pas ce qu'on veut dire. Mais nous sommes tous des francophones. Je pense que chacun va comprendre en fait de quoi il s'agit. Voilà. Donc, je vais profiter, le temps que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Le temps que vous partagez la vidéo. Je vais voir de quoi. Je vais vous expliquer en fait le titre. Bon, la concernée. J'ai dit ceci. Je parle, je décrypte point barre. Maman faut d'abord et ma pépé. Facebook de la diaspora, c'est à la guerre comme à la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire quoi? Le camp des lumineux contre le camp des ténébreux. C'est ça, Facebook de la diaspora. Savez-vous pourquoi j'ai ajouté Pipitologue sur la vidéo? Mais j'ai pas mis sa photo. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Lorsqu'on donne les sobriquets, lorsque j'entends qu'on a donné un sobriquet quelque part, j'appelle avec ce sobriquet. Parce que de nos jours, quand vous faites des vidéos de clash, il faut éviter de prononcer les noms. C'est pour ça que vous allez voir, les gens donnent toujours les petits noms. On dit Tourbillon, on dit Mbopi. Voilà, les petits noms comme ça. Quand on donne les petits noms parce qu'on ne veut pas prononcer le nom en général. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. S'il vous plaît, il faut partager la vidéo et mettez les cœurs parce que les gens sont en quête de signalement. Les ténébreux ont dit qu'ils vont nous signaler. Qu'ils vont signaler toutes nos pages. Donc, il faut mettre les cœurs. Merci pour ceux qui envoient des j'aime. Je vois déjà les pouces de j'aime. Merci pour ceux qui envoient des cœurs. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mentionné Lolo. Je vais vous rappeler pourquoi je l'ai mentionné. Dorcas Lofombo a publié une vidéo de toi. Comme quoi tu as retourné ta veste pour aider l'autre dans la vidéo. Tu insultes ma fou et ma pépé. Maman Sissi Glam. Je peux mettre la vidéo en question. Si vous voulez. Hein. Je ne me cache pas. Pour mettre la vidéo en question. Oui, oui. Vous savez. J'ai dit. Attendez, avant de revenir sur le sujet. Sur le début. Ne vous inquiétez pas, maman, c'est si glam. J'ai dit, je te rejette, Mbopi. Ne joue pas avec moi, je tiens ta vie. Je tiens sa vie. Tu sais que je cause à Wamsen, non? Je tiens même sa vie.
de façon générale, que cette fille, tu dis que tu demandes pardon à Priscalli. Moi, je n'aime pas moi le sabotage. Pour dire vrai, les followers, je dis toujours que moi, je préfère prendre ce qui est sur la toile pour te tamer avec. Mais, Bopi, je tiens sa vie comme ça. Je peux vous expliquer donc de A à Z comment Bopi mange. Je peux vous expliquer comment elle mange. Je peux vous expliquer qui s'occupe même. Donc, je peux vous expliquer les qui s'occupent même de son Mouna. Donc, je veux que cette fille de Bopi. Parce que j'ai vu, tu sais, laisse-moi faire ma guerre avec les quotas du Japap. Il faut laisser les quotas du Japap parler de moi, de télécharger et puis ils mettent sur leur page. Tu comprends un peu? Je ne suis pas. C'est pas en postant sur ta page que. Mais tu sais que c'est les quotas du Japap, ce sont des faux profils. Je n'ai rien à foutre à eux. Elles ne me servent à rien, elles ne m'apportent pas à manger. C'est toi. C'est ton visage que je connais. C'est ta vie que je tiens. Je tiens à te rappeler que tu es dans Meta. Fais très attention. Tu es dans Meta. Tu es dans Meta. Fais très attention. Une fille comme toi, tu n'es même pas encore mariée. Tu veux que je. Parce que mes chefs, mes followers. Vous savez pourquoi? Vous savez depuis, je ne vais pas vous mentir, depuis que je suis arrivée chez les abeilles, dans la lumière, autant pour moi. Vous savez, quand il dit les abeilles, ce n'est pas seulement pour dire que les abeilles de Mafo, donc c'est mélangé. C'est mélangé les trois teams, les followers. Depuis que je suis entrée dans la lumière, il y a des choses que je ne peux plus faire. Vous comprenez un peu? Je fais mes choses avec des limites. Parce qu'il y a des mamans qui sont là pour me diriger dans le bon sens. Il y a des mamans qui sont là pour me soutenir dans le bon sens. Et par contre, chez les ténébreux, il n'y avait personne pour me dire, Priscani, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Que pense à supprimer cette vidéo? Il n'y en avait personne. Je vous parle. La vidéo pour vous dire que la vidéo qui est dehors, ça me fait ni froid ni chaud parce que mes mamans m'ont pardonné parce que je suis venue vers eux avec un esprit libéré. Je vais chercher ma vidéo de pardon. Vous allez faire la comparaison. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez faire la comparaison. Oui. Vous allez faire la comparaison. Et vous allez écouter sa part de vidéo. La famille, je ne me cache pas. Je vous dis que les ténébreux. Je sais pas si vous avez remarqué au début quand j'étais dans les ténèbres, quand je faisais des vidéos, j'étais nonchalante. J'étais nonchalante. Et c'était tout le temps en train de dire que, wow, Priscaline, les gens n'aiment pas te suivre parce que tu es trop dur, tu es trop mou. Oui, on a l'impression que tu ne veux pas les clasher. On a l'impression que tu ne veux pas les laver. Oui, parce que c'est quand je sortais les gros mots que Pipitologue sortait hein, dans ses directs. C'est-à-dire que je relais. Donc, je peux dire le copier-coller. On appelle ça le plagiat. Qu'elle venait me soutenir. Je ne me cache pas pour parler. Qu'elle venait me soutenir. Que ces gens venaient me soutenir. Patou et Bongué, toi, tu connais bien. Vous avez dit plusieurs fois là-bas que j'étais nonchalante. Que oh, je ne framponne pas. Ils ont dit que le temps les appelait Nicole Boumkena. Je ne mens pas.
Ils ont tout fait. Moi, quand je clash les gens, je ne voulais pas sortir les noms qu'on dit Boumkena, qu'on dit les petits noms qu'ils donnent là. Oui, les petits noms là, qu'on dit Sengosa, je ne voulais pas moi sortir ça. Ni beauté, je te jure, au nom de Dieu. Ces femmes-là, donc quand j'ai commencé à dire comme ça, quand je sors peut-être un nom, j'arrive à dire peut-être, tu veux peut-être prononcer Mafo. Je veux dire Mafo, je veux dire compresseur. Ça les fait mal. Oh, n'appelle pas les noms comme ça. Quand tu entres dans. N'appelle pas les noms comme ça. Quand tu entres dans chez Borosangui, ces personnes nous incitent. Donc, eux nous encourageaient, Toby et moi, à clasher, à donner les petits noms. Que, oh, il faut dire Mami Mboma. Nous, on connaissait que c'était quoi. C'est pour ça que je vous dis que les ténébreux, ils ont une vraie haine en eux. Ils ont une vraie haine. Je peux dire, franchement, les gens qui ont fait les années là-bas chez les ténébreux, non, ils ont un cœur bizarre. Vrai, vrai. Ils nous ont poussés. Je dis que ces personnes au départ ne me suivent. Vous voyez comme celle-là. On appelle Monica Bragata. Monica Bragata. De l'Italie, là. La fille, là. Vous voyez comme elle fait souvent. Comment elle fait souvent ses vidéos. Elle est nonchalante. Elle est moulin, non. Les ténébreuses ne suivent pas Monica Bragata parce que elle est calme. C'est ça que j'étais au début. Donc, ils me guettaient seulement comme ça. Ils sont venus m'écrire. Oh, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut mettre les cœurs. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Je vois pas les cœurs. Mais je vois pas les cœurs. Je vous dis que la vidéo est signalée. Ils veulent m'empêcher de parler. La vidéo est tellement signalée. J'étais au début. Donc, ils me guettaient seulement comme ça. Ils sont venus m'écrire. Oh, la vidéo est complètement signalée. Je vous dis. Ils ont mis dans leur tête qu'ils vont boycotter toutes les pages des Lumineux. Ils ont mis ça dans leur tête qu'ils vont boycotter toutes nos pages. Ils ont dit ça. Que dès qu'on est en direct, ils sont derrière pour attaquer. Je ne sais pas comment ils font. On attaque les pages même comment. Comment ça se passe? Ça se passe comment? C'est la même chose qu'ils ont fait ça hier à la Tigresse. J'avais l'impression que la Tigresse avait un problème de connexion et pourtant sont eux. Pourtant sont eux. Donc vous voulez nous empêcher de parler, pourquoi? Vous dites que nous ne sommes pas les stars. Que on ne peut pas. Que nous sommes les no-names. Mais pourquoi venir nous signaler? Hein? Pourquoi ils viennent nous signaler? Bon, je continue. De toutes les façons. Vous dites qu'on ne sert à rien. Mais pourquoi vous venez nous signaler? Pourquoi? Qu'on ne sert à rien. Je ne vais pas vous mentir. Il y a des personnes. Il dit que. J'étais nonchalante comme ça. Ceux qui m'ont suivi, ceux qui me suivaient au début de mes directs, quand j'étais dans les ténébreux, je n'avais que ma ligne. Faire mon direct concernant. J'ai fait mon buzz avec Amé Kamé. J'ai on fait notre buzz et tout. Mais le buzz est allé trop loin à cause des ténébreux. C'est pour ça qu'à chaque fois, ceux qui m'ont suivi, à chaque fois, je ne voulais pas quitter de ma ligne éditoriale. J'étais toujours là que non, je veux sauf que clasher à mes camés. C'est ça que j'étais tout le temps un dougou, tiki, dougou, tiki, dougou, tiki. Oui, je ne voulais pas entrer sur les mamans-ci. C'est pipitologue. Oh, créer les faux comptes. Les gens m'insultent. Il faut les laver. Il faut faire les directs. Il faut les laver. Il faut les laver. Que Priscaline n'appelle pas par les, ne les appelle pas par les petits noms. Hein. Il faut appeler Mamie Mboma. Il faut appeler dire que merde. Il faut appeler Mamie Mboma, il faut appeler Ngosa, il faut. Il y a même un temps, on devait laisser un nom. Il dit que c'était un nom, c'est que les noms se sortent d'où?
Comme vous entendez là. C'est comme ça que les ténèbres là m'ont formé. M'ont formé. Parfois même la famille. Quand je regardais même certaines de mes vidéos comme ça là. Je regardais ton. C'est genre que tu finis le direct comme ça non. Quand tu te couches encore, tu dors, tu te lèves. Tu veux un peu regarder le direct que tu as fait. Tu dis que non, le direct là, c'est mauvais. Que non, j'ai fait mal sur le direct. Tu dis que non, j'ai fait mal sur le direct. Que le direct n'a pas sa place. Il y a plein de directs que, à chaque fois que je faisais, je supprimais toujours. Il y a plein de directs. Il y a plein de directs. Les ténébreux là, non. Je remercie les gens qui ont contribué à me faire sortir de ces bêtises-là. Maintenant, comme ce méta, c'est à la guerre comme à la guerre. Mais je préfère aller prendre le camp où je me sens à l'aise, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Je préfère aller m'asseoir et dire que, hey, je préfère aller m'asseoir chez maman, faut dire que, hey, pardon. Pourquoi? Maître! Ils sont là entre tous, eux tous les magantés. Ils sont dans le groupe, ils font le Congoussa. Ils font le Congoussa à Maganté. Ils font le Congoussa, si on t'insulte. Donc, Pipi me flatte. Hein. Quand dit quand peut-être qu'un abeille vient peut-être qu'elle écrit que. Oh, puisque. Non, par exemple, maman Julia Robert. Elle vient peut-être qu'elle dit que. Oh, puisque. Julia Robert, non. C'est une femme qui. Non. Je vais voir Julia Robert, elle va boire une bouteille de vin. Julia Robert, il y avait le profil Julia Robert. Il y avait aussi un faux profil, là, je ne connais plus trop. Les gens là venaient toujours écrire que Priscaline, même le profil Marfo, perfect. Que Priscaline, toi là, non. C'est comme si non, les gens là lisaient dans mes pensées. Vrai. Que Priscaline, toi là, tu es abeille. Que toi là, tu vas quitter. Que Julia Robert m'a dit que Priscaline, tu n'as même pas 2 mois où tu es placé là. Bibi disait que dégagez là-bas. Oh, que Priscaline, tu vas supporter ta soeur, tiens. C'est ce que maman Julia Robert me disait. Que Priscaline, tu vas supporter ta soeur, tiens. Que je ne sais pas ce que tu fais dans les ténèbres. Elle venait toujours commenter comme ça, mais on s'insultait. Hein. On se lavait petit à petit. Hein. Mais elle avait raison. Et quand les pipis voyaient comme ça là, elle vient m'écrire que Priscaline, faut pas que tu te sens gêné, hein, te sentes gêné, hein, parce que elle dit que il y a une femme là dans la team, que c'est une Chang, elle s'appelle quoi là, je réfléchis le nom là, ce n'est pas Julien Zombie, il y a une femme là, j'ai oublié son nom, elle, c'est tous les gens quoi, les Julien Zombie là, donc ses copines là non, oui, elle dit que elle est Chang, elle t'aime jusqu'à, elle dit que elle dit qu'elle t'aime jusqu'à oui. Et que vous, oh, elle t'a même promis. Elle dit que le jour que tu viens en France, vous allez vous voir. Qu'elle m'aime jusqu'à. Elle aime quand je framponne. Elle aime quand je framponne ma foule. Que je framponne compresseur. Elle dit que merde. Elle dit qu'en bon, ok. Donc c'était une façon de dire que je ne suis pas seule, non. Oui, comme je pense que je suis la seule Chang dans leur groupe là, non. Oui. Elle m'a fait comprendre. Où c'est Mireille, oh? Je pense que c'est Mireille. Oui, qu'elle est une Chang. Que je me fais pas des idées. Donc c'est comme si elles avaient un sentiment que Priscaline devait changer de direction. Vrai. Elles avaient ce sentiment-là. Un jour, la famille, je vais vous mentir. Les gens, il y a certaines personnes qui ont regardé la vidéo, il y a certaines personnes qui n'avaient pas regardé la vidéo. Il y a des personnes qui ne me suivaient pas. Oui, il y a des personnes qui me découvrent juste comme ça. Et qui aiment beaucoup ces mamans-là. Vous savez, vous dire quelque chose. Hein? Facebook, c'est à la guerre comme à la guerre. Le live, la diaspora. Vous savez, pour ceux qui me suivent sur la page Priscaline officielle, quand ils sont sur la page-là, si aujourd'hui Fingon a mal mangé aujourd'hui, je viens et fais mon direct. Je passe dessus. J'attends quand il y a encore un chapeau sur la toile. Surtout qu'on dit le gâteau international dans les premiers pifos. Je pars, je mets mon direct, je passe dessus. Mais à la diaspora, chacun a sa ligne éditoriale. Mon but dans cette diaspora, c'est de rendre heureuse, compresseur,
et Mafo et la Warriors. C'est mon but dans cette diaspora. C'est d'éteindre toute personne désordonnée autour d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça mon but. Hein. C'est ça mon but que j'ai dans la diaspora. Oui. C'est ça mon but. Parce que quand on parle des femmes de la diaspora, on parle de ces femmes. On parle de ces trois femmes. Voilà. Je vous ai expliqué. Donc, vous voyez un peu, on nous encourageait que non, il faut les laver, il faut les framponner, et il faut jusqu'à. Ces femmes, elles sont allées payer Toby pour qu'il aille acheter la corde pour insulter Mafo. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? La deuxième fois, Toby, eux voulaient encore payer Toby. Voilà, le jour du 8 mars, les femmes là voulaient payer Toby Chou. Toby Chou, c'est la période à laquelle je crois que Toby Chou glissait déjà. Si Toby est honnête, il va vous dire qu'un jour, j'ai dit à Toby que gars, le fait qu'on insulte ma foule, ma pépé là, ça m'énerve. Et là, Toby, comme tu vois là, normal, c'est quelqu'un que je suis depuis au Cameroun. Hein. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai eu quand je n'avais rien à faire. Quand j'ai dans la diaspora comme ça, pour vous dire vrai, c'est ma foule que je suivais. Je ne veux pas vous mentir. Pour vous dire vrai. Parce que, donc, et aussi un lien parenté, tout ça. Donc, un lien de. Je sais pas. Pas un lien parenté. Donc. Oui. Il y a des choses que je ne peux pas dire directement. Je ne peux pas dire ça ouvertement. Mais le jour que je vais rencontrer Mafo, je vais parler à Mafo. Je vais réellement dire la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans les ténèbres. Mais sinon, Mafo connaît déjà. Mafo connaît déjà, elle connaît déjà. C'est une femme de Facebook, non? Elle connaît. C'est une femme de Facebook. C'est juste qu'à l'époque, elle faisait la guerre entre eux. Mais il n'y avait pas les enfants qui venaient entrer dans ça ou un peu, non? Il n'y avait pas les enfants qui venaient mettre leur caméra. Bon, on était nous en faux profil et on était nous en bas. Chaque fois que tu parles, ma tête se fait mal. Donc, on était toujours en bas. Ou un peu, non? On était toujours nous en bas, on commentait, on créait les faux profils. Donc, c'était un peu ça. Bon, maintenant là, je vous ai expliqué. Donc, les gens qui sortent les rimemba, moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Bopi. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Bopi à manger chez Mafo. Je n'ai jamais rencontré les ténébreuses. Jamais de la vie. Bopi a mangé chez Mafo. Ouais. Elle a dormi avec l'ex de ma pépé. Oui. Et pourtant, on a dit que ne framponne pas l'église là. On a dit que n'encore pas dans l'église là. Que l'église là, c'est l'église des témoins de Jéhovah. Que n'encore pas là-bas. Elle est partie entrer. Hein. Les quotas du Japap. Tu es là. Hein. Tu es venu chercher à Stamania. Hein. Ok, je te fabrique. Tu es venu chercher à Stamania. Je te fabrique moi. C'est moi, je ne suis pas haineuse. Que je vais te chercher un nom. Qu'on va dire que Tatiana Mibang. Non, je t'appelle les quotas du Japap. Si tu veux, je pingle mon tapage. Hein. Si tu veux. Si tu veux, je pingle. Donc, c'est bien comme tu es même là. Là, je vais framponner ta star. Et après, il faut que ta page la bouge. Hein. Depuis, je fais plus de direct. Hein. Tu dois faire des directs. Hein. Oui, il faut que tu me framponnes un peu. Donc, c'est un peu ça. Je vais maintenant décrypter. Non. Je vais décrypter. Que j'aime bien appeler que Prisca Chou. Voilà, j'ai épinglé. Voilà, c'est les quotas du Japap. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui vont voir, vous allez voir que j'ai été manipulée, formée par les ténébreuses. Formée par eux.
quand tu fais le direct comme ça, là, ils viennent dire que tu as bien fait ton direct. Tu as bien lavé les femmes là. C'est pipi. C'est pipi qui dit ça. Tu as dit que tu as bien lavé. Tu as bien lavé les femmes là. Priscaline, tu as bien fait ton direct. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien. C'est elle qui dit ça. Je dis que le jour que je fais un direct, il y a 42 vues. C'est que je n'ai pas insulté ma fou et ma pépé. Je vous assure comme ça. Le jour que je fais un direct, que mon direct cartonne, c'est que Pipi m'a fait lancer les mots. Il faut dire Mami Ngona, Mami Mboma, Oh Ngosa, Oh Ngospit. On l'a. Recharge en attendant. La recharge de vous. Vous comprenez un peu la famille. Un jour, vous comprenez un peu ce qui s'est passé. Comment Pipi forme sa puce sorcellerie. Les quotas du Japap. Comment je peux épingler ta. J'épingle ta photo, ton profil, pour que les gens s'abonnent, pour que tu aies au moins 1000 abonnés. Tu viens encore signaler ma vidéo, les quotas du Japap. Est-ce qu'on peut faire les choses comme ça là? Et les quotas du Japap. On peut faire les choses comme ça. Eh, pourquoi tu m'empêches de parler? Oh, eh, j'étais un mémé. Vous voyez, quand on signale la vidéo, ça devient noir. Ça devient bizarre. Et les quotas du Japap. Hein? Comment je fais ta vidéo et puis tu signales encore? Donc, je vois s'il y a certaines personnes qui ont dit Hé, Marco, Priscalino. Donc, tu es comme ça là. Donc, je vous dis que c'est pipi. Et s'il te plaît, j'ai 10 000 abonnés. Bon, je décrypte. Permettez-moi d'écouter le voice de mon chéri d'abord. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo, j'écoute le message, mon chéri. Partager la vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, partager la vidéo. Voilà. Franchement. Voilà. On était à l'école. Tu as fui les cours aujourd'hui. Hein? Non, maman au boss. C'est férié, non? C'est la. Ce sont les vacances. Ce sont les vacances, non? Je suis en vacances. Voilà. Où est la vidéo? Où est la vidéo là? J'espère que j'ai pas supprimé la vidéo là. Ou bien c'est pas dans le téléphone si que j'ai mis la vidéo là. Bon. C'est ici. Voilà. Personne pour dire qu'elle était l'acharnement sur cette petite fille.
Non, attends, le début est où? Le début. Je pense que je vais couper. Si ça démarre encore, je vais couper. C'est quoi aujourd'hui? C'est quoi? Crois que ça commence ici. Attends. Je crois j'ai commencé la vidéo où je crois que ça commence ici en haut. Voilà. Elle va, je crois que c'est ici. Regardez, attendez. Écoutez, je vais vous montrer directement. Chasser Mopi du travail parce qu'elle est enceinte de Wamsay. Malheureusement, elle accuse du camé. Merde, c'est chaud. Quelqu'un essaie un peu d'entrer. Je veux que les photos s'y disparaissent. Putain, c'est grave aujourd'hui, hein. C'est grave. C'est grave aujourd'hui, hein. Avec les signalements, hein. C'est grave. Mais vous voulez nous empêcher de parler ou quoi? C'est grave. C'est chaud, hein. Ça, c'est quoi ça? Merde. Il dit que je suis que les gars sont dépassés, ma soeur. C'est quoi ça? C'est grave aujourd'hui avec les signalements, hein. Non, non, non. Les quotas déjà peuvent disparaître. Merde. Chic, attends, essaie un peu. Je veux retirer les photos. Je veux que les photos disparaissent. C'est bon. Les photos sont parties. Mince. C'est chaud aujourd'hui, hein. Hey. La tigre n'a pas pu finir son live hier. Quelqu'un qui veut demander des excuses. Quelqu'un qui veut demander des excuses. Hey! Adama. Je demande. Non, ça va. Ça va, ça va, j'ai assez. C'est parti. Regardez comment elle parle à quelqu'un qui est parti manger et où. Jean, qu'elle est partie porter le t-shirt. Tu es parti, Bopi. Tu es parti manger. Et Adama, vous dites vrai. La fille, c'est encore électron libre. Moi, je ne sais pas si elle est encore. Elle est, s'il vous plaît, dites-moi, elle est encore électron libre. C'est même pas ceci ici. Je veux mettre le début. Bon, continuons. C'est pas grave. Tu es encore. La fille, ici est encore électron libre. Elle est encore électron libre. Non, tu peux le demander des excuses. Tu peux. Non, t'es pas, non, t'es pas comme ça. Attends, Bopi, oh, c'est quoi ça? Bopi, toi, tu as quel problème exactement? Bopi, tu as quel problème exactement avec les ténèbres? Hein? Tu as quel problème exactement avec les ténèbres? Est-ce que tu peux nous expliquer ton problème que tu as avec les ténèbres? Tu n'as aucun problème avec les ténèbres parce que Véronica Massa a organisé son anniversaire. Bon, disons que tu es mal avec Véronica Massa. Tu n'as aucun problème avec les ténèbres. La même Dorcas qui te lave en ce moment, c'est avec cette
même Dorcas, que tu as fait le Congo ça, tu as encouragé d'insulter Nicole Kétia. Tu oublies ça, Mbopi. Hein? Si Dorcas t'insulte, tu veux quoi? Maintenant, tu veux te servir des insultes du quota abeille te boude. De toute façon, tu as insulté Mafouchou. C'est ça, gosse à quoi avoir avec son boulot. Ah, moi, mais c'était passé. Moi, le cola, ça me concerne pas. C'est l'enceinte de son problème. C'est l'enceinte de son. L'enfant, c'est l'enfant de Dieu, non? C'est l'enceinte de son problème. Je suis un humain qui fait les erreurs. On a compris, maman. Nous avons bien compris. Que tu fais les erreurs. Nous avons compris, hein, que tu fais les erreurs. De toutes les façons, écoutons Boupi. Écoutons. Tu n'as encore rien vu en ce moment. Tu n'as encore rien vu, ma soeur. Ma chérie, tu n'as encore. Ma chérie Mbopi, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Les followers. Je n'ai rien. Moi, je n'ai rien contre cette fille à la famille. Je n'ai rien contre cette fille, vous comprenez un peu. Je n'ai rien contre cette fille. Vous savez, je suis un enfant qu'on a beaucoup chuchoté dans la vie. Vous comprenez un peu. Je suis un enfant que je suis très facile à pardonner. Je suis très facile à pardonner. Mais lorsque ton pardon, moi j'ai pas compris en fait. Le fait que elle vient demander pardon, mais elle indexe les autres. C'est ça que je n'ai pas compris dans son direct. Si elle demandait pardon, elle disait que elle finit de faire comme ça. Elle dit même que ouais, elle avait sa main. Mon frère, pardon, je ne veux plus que la guerre la commence. Là maintenant, c'est nous. Elle s'excusait, elle avait sa main que ouais, pardon, je veux la paix. Là maintenant, si l'abbé ça mettait sa caméra, il insultait la fille. Si. Moi, j'allais mettre ma caméra. J'allais défendre cette fille. C'est une fille qui simplifie les êtres humains. Tu nous simplifies. Oui. Tu nous simplifies. Moi, j'aime pas. J'ai pas apprécié le fait qu'elle a insulté l'abbé Samé. J'ai pas apprécié ça. J'ai pas apprécié le fait qu'elle a insulté l'abbé Samé. C'est ça qui m'a dérangé. Continuons. J'étais la première ici à parler chaque fois, à dire à cette fille de changer. J'ai trop donné les conseils à cette fille. Mais elle m'a insulté plutôt. Elle a rejeté. Maintenant, alors, ça fait trop tard pour moi de pardonner facilement comme ça. Elle me demande les pardons sans me flatter. C'est normal, ça. Je vais vous faire écouter. Attendez, je vais chercher. Je vais vous faire écouter ma vidéo. Vous allez voir. Je vais vous faire écouter ma vidéo. Les sons, on sort sur elle. Moi, j'ai pas peur, hein. Les ténébreux, là. J'ai pas peur, hein. Je vais, permettez-moi de chercher mon ancienne vidéo. Permettez-moi de chercher si je vais encore trouver. Je sens plus le stick que j'avais mis.
Ça va rester. Permettez-moi de chercher. Je vais trouver ça. Coûte que coûte, je vais trouver. Je vais trouver. Vous allez voir. Désolée si je parle doucement, hein, parce que quand je parle à haute voix, j'ai mal à la tête. J'ai un peu les petites migraines là qui me dérangent. Donc désolée si je parle doucement. Permettez-moi de trouver la vidéo. Je sais même plus. J'avais même mis quelques titres. Les anciennes vidéos là. Je ne sais pas si je vais encore trouver, mais je vais chercher. Vais chercher. Je vais chercher la vidéo. C'est une fille qui est orgueilleuse. Moi je sais que c'est par intérêt que tu viens, que tu reviens. Tu as testé les ténébreux. Cette fille, elle a une vengeance devant maman Pépé. Tu as une grosse vengeance. Je préfère la blague à toi. Oui. Je préfère la Black Beauty à Bopi. Parce que même la Black Beauty, quand elle est dans les ténèbres là-bas, quand on était ensemble, même la Black Beauty était un peu comme moi. Si la Black Beauty insulte ma voix, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Si elle n'insulte pas les pipi manioc, ne vont pas, ils ne viendront pas dans sa page. Oui. Je vais trouver la vidéo. Ça ne chauffe pas. Je vais trouver. Ça c'est Bopi et mal au fond. C'est pas ça ici. Je vais trouver la vidéo. Elle a utilisé les ténébreux. Ils n'ont rien de posé dans son litchi. Mais combien de fois ici j'ai dit Mbopi, les ténébreux n'ont rien. Quand ils sont partis, j'ai dit à Mbopi que tourne ta veste, que tourne, que change de direction. J'ai dit à Mbopi que tu fais quoi là-bas? Ressort. Quand j'étais encore dans les ténèbres, j'ai poussé Pipi Tologue à ne pas croclasher cette fille. Parce que les ténébreuses voulaient porter plainte à cette fille. Patricia Mel, elle voulait porter plainte. Elle voulait porter plainte à cette fille au Cameroun. Vous savez pourquoi? Elle a peur d'ouvrir sa bouche. Il faut que je tienne à te rappeler, Mbopi. Je vois comme tu veux faire, genre, comme si tu veux clasher les ténébreuses pour accepter ma faute, pour vouloir entrer dans, pour vouloir ancrer dans, pour vouloir faire plaisir, pour vouloir faire, oui, pour plaire aux abeilles. On va te porter plainte. Tu oublies que Patricia Mel, elle a déposé les armes, comme tu as tourné ta veste. Mais si tu t'attaques à eux, sache que le tout sinon. Ils ne vont pas te laisser. Tu es au Cameroun. Tobi peut les insulter comme il veut. Hein. Toi, tu es au Cameroun. Une seule plainte. Ils te font dormir en gata. Oui. Donc, c'est que tu veux les insulter pour faire plaire à Mafou. Tu peux faire plaire aux abeilles. Sache que Mafou ne t'envoie pas. Mafou n'envoie personne. Hein. Le jour que ça cuit, chacun accrape son sac où il peut décrocher. Quand tu dis le reste là, tu oublies que ton papou, ton couple préféré, tu oublies qu'ils adorent le resto là. Tu oublies ça? Imagine-toi. Imagine-toi un peu quand ils vont causer. Elle nous postait. Donc elle a changé comme ça là. Cette femme de Jaguar, elle s'est. C'est-à-dire que c'est une femme qui se méfie beaucoup. C'est une femme qui se méfie beaucoup, beaucoup. Mopi. Bref,
continue à te donner les avertissements. Quand tu vas venir clasher, quand tu vas venir clasher, non, télécharge seulement, hein, on poste. De toutes les façons, nous, on va t'encourager. Hein. On va te mettre les cœurs, on va sourire. Mais il faut réfléchir. Parce que quand tu dis le reste là, les personnes que tu as passé tout le temps à valoriser, que tu as montré que tu les aimes trop. Wow, Rebondiaï, c'est ma sito. Wow, Rennes Bio. Oh, tu les appelles le reste là. Tu les appelles le reste là. Hein? Chic élégant. Non, il faut qu'on dise, tu dois dire la vérité parce que moi, je préviens toute cette fille. Quand je suis arrivée ici, j'ai tout fait. Cette fille m'appelait. Non, écoute, allez voir la manipulation des réseaux sociaux. Elle vous dit que cette fille, elle est orgueilleuse. J'aime pas les filles orgueilleuses comme ça. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas. J'aime la paix. Que si elle est dans, elle est, si elle vient ici, ça me servir à quoi? Elle est chic. Elle m'aligne. C'est bien vrai que si elle vient, elle retourne chez les abeilles, ça me fait quoi? Moi, j'ai quoi? Mais je veux seulement qu'elle doit respecter les autres. Oui. Tu dois nous donner du respect. Elle doit nous donner de la valeur. Hein? Tu es parti manger le héros. Tu as porté. Parce qu'une comme Julien. Parce qu'une comme. Vous n'avez pas encore signalé. Parce qu'une comme Julien Zombie. C'est une femme qui est très gentille. Peut-être qu'elle a même 10 même 15 000. Ou 5 000 même. Qui sait? Oui. Aujourd'hui, tu les appelles le reste là. Pour faire parce que tu veux pour plaire à ma fou. Si tu veux partir de chez les ténébreux, parfait. Comme moi, tu continues à chercher ma vidéo là. Tu continues à chercher. Vous savez, en que temps j'ai fait beaucoup de live. Oh putain. Attendez, je cherche. Attendez, je cherche. De toutes les façons, je vais trouver. Je vais trouver de toutes les façons. Bonjour la fortune. Non, mais j'ai pas trouvé ici. Je vais aller dans la page, même. Ah! Il dit qu'elle a peur de ce qu'il bête, bête, petite. Elle veut commencer encore les clashs avec toi pour ça. Elle m'a encore annoncé la guerre, cette goupille. Mon grand non. Mon... Une femme. Une fille qui dit qu'elle veut faire la paix, tu prends une vidéo où on clash les gens que tu as dit que tu demandes pardon, tu mets sur ton mur. C'est la guerre de quoi que tu veux faire? Tu mets sur ton mur. Hein? Tu pourrais bien laisser même les côtés déjà pas, ils peuvent laisser sur leur mur, oui. Mais toi, tu as demandé pardon. Tu ne veux plus qu'en demander pardon, ça veut dire que tu es là pour protéger ces mamans. Tu ne veux plus qu'on insulte. Tu ne veux plus qu'on insulte les mamans là. Tu ne veux plus. Mais tu prends une vidéo où quelqu'un a insulté, tu mets sur ton mur. Mais c'est la guerre. Le direct de 15 vues donne le sommeil. Tu forces gros Facebook comme ta copine Bunkena, alias j'ai les voix comparées à l'autre. Hein? Attendez, je cherche la vidéo là. Mais la vidéo est posée où? Je veux chercher. Mais l'essentiel, c'est que ma vidéo va rester. Tu comprends? Donc les gens, les personnes vont voir après. Tu as compris, non? Les gens vont voir après. Donc quand ils vont rentrer du boulot. Tu comprends un peu. Donc je ne force pas. Donc, je cherche la vidéo là. Je veux chercher. Je veux chercher la vidéo.
vidéo, voilà, une vidéo qu'on appelle le pardon. Pourquoi Mark Zuckerberg ne filtre pas maintenant les vidéos comme ça? Pourquoi est-ce qu'il filtre? Avant, il ne filtrait pas les vidéos. Elle veut la guerre. Elle dit qu'elle veut la paix. Quand tu veux la paix, pour être à la maison, il faut que tu dois d'abord flatter les autres personnes. Tu dois flatter les enfants de la maison. Mais tu ne flattes pas les enfants de la maison. T'attends à quoi? Quand une femme vient en mariage, elle pas juste son homme. Elle flatte d'abord les belles-sœurs. Elle flatte la belle-mère. Si tu ne flattes pas la belle-mère, quand tu vas aller tout le monde avec ton gars, il m'a dit que mon frère est langassé là. Que malgré ça, elle n'aime pas ma famille. Ma famille ne l'aime pas. Ça sert à quoi? Hein? Un beau pied. Tu cherches la guerre, moi. Elle veut la guerre. Comme depuis, je suis calme parce que je suis même malade. Hein. Comme depuis, je suis calme. Tu cherches la guerre, moi. Tu veux vraiment qu'on cherche les Remember, Bopi? Je vais chercher les Remember. T'inquiète même pas. Tu veux vraiment qu'on tombe sur les Remember là? C'est que je vais chercher ça. Cette idiote-là. Tu demandes des excuses à quelqu'un. Mais tu cherches les vidéos où on insulte cette personne. Et c'est pour dire que tu l'aimes. On peut sortir vite. Ma faute à refouler. La refouler, oh. La refouler des abeilles, oh. La lionne refoulée, oh. Comme je suis. Attendez, j'avais même mis quoi comme titre de ce direct. Ne sais plus. Priscaline demande pardon. Attendez, je vais me préciser ça. Ne sais plus. 20 minutes avant pas la vidéo là. Non. Ça ne sort pas. Voilà, si j'ai trouvé. Non, non, ça c'est Tilapia, Aya Robert. Non, ça c'est pas ça. C'est pas ça ici. Non, non. De toute façon, je vais chercher. De tout, ça c'est quoi? Non, non. Donc, alors, je veux chercher de toute façon. De toute façon, je vais chercher. Même après, je vais chercher. Tu demandes pardon. C'est toi qui es. Tu ramènes donc. Tu n'aimes pas. Je vous dis que c'est un pardon par intérêt. Je vous dis. Et j'ai cette certitude que c'est un pardon par intérêt. J'ai cette certitude-là. Parce que. Et c'est une femme que il faut l'écarter tout près de ma pépère. La lionne n'aime pas ma pépère, je vais vous dire un truc. Elle n'aime pas. Elle est avec ma pépère parce qu'elle n'a pas le choix. Je vous dis, elle n'aime pas ma pépère. Elle fait le plan. Elle fait le plan. Elle me l'avait dit en direct ou quoi. Elle vous avait dit que quand elle supportait ma fou, les TK étaient jalouses d'elle, non. Que les TK savaient ça. Elle était assez, elle était cassée. Genre, ça faisait comme si ma pépé n'était pas là et qu'on sort. Et oui, que les abeilles lui forçaient à dire qu'elle elle doit aussi un peu soutenir, qu'on pressort. Oui, elle n'aime pas. Elle n'aime pas qu'on pressort. Où est-ce que ça? Maintenant, n'aime pas. Tu n'aimes pas qu'on pressort. Et tu aimes ma faute parce que. Et bon, je peux dire qu'elle. Pour être sincère, je peux dire qu'elle aime ma faute. Mais elle n'aime pas compris ça. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas compris ça, la lionne. Mais est-ce que c'est obligé? Même si c'est quand tu es dans les yeux chez les abeilles, non. Est-ce que tu es obligé de parler avec compris ça? Tu es obligé de faire semblant. Hein? Tu es obligé. Quand vous voyez Nicole Kétia, quand tu vois Nicole
Tu sens que Nicole aime les deux femmes. Ça ne se ment pas. Ça ne se ment pas. Moi, je fais mes choses. Moi, je fais mes choses avec les pauvres. Moi, je ne suis pas là pour vous cacher, pour faire les plans. Moi, je ne suis pas là pour faire les plans. Et vous avez dit, moi, il y a des femmes, il ne faut pas que c'est ma soeur du village. Oui. Au départ, je ne savais pas compris ça. Mais j'ai appris à aimer compris ça. J'ai eu à causer compris ça. Oui, oui. J'ai vu que c'est une femme qui est très douce. Elle est vraiment la maman des enfants. La maman des enfants. J'ai compris ça. Ce j'étais choquée. Très différent des réseaux sociaux. Très différent de ce que Pipitologue et Banga de Kolomogé passaient le temps à faire au Kongosa pour mentir au nom de cette femme. Très différente, je vous assure. Très, très différente. Vrai, vrai. Allez voir comment cette fille. Oh mon Dieu. Comment elle quand Pipitologue venait dans son live commenter. Pipitologue venait parce que tu insultais. Parce qu'on n'accorde même plus ton temps sur elle. Oui, oui, mon continent, je ne veux plus accorder mon temps sur elle. Je ne veux plus. Est-ce que j'ai d'abord le temps? J'aime d'abord le temps dans mon continent. Quand tu me vois ici, j'ai même plus la force pour parler. Je parle maintenant doucement, doucement. J'ai même plus la force. J'ai plus la force pour parler. Mais on va télécharger les vidéos. C'est ça qui est ça. Quelqu'un fait un direct, je télécharge. Bon, quelqu'un fait un petit direct, je télécharge. Je voulais vous chercher la vidéo là. La vidéo là, mais je voulais chercher ça là. Mais je ne suis pas en train de voir. Vrai, vrai. Je ne suis pas en train de voir. Mais je vais voir. Faut que je fouille doucement, doucement. Doucement, doucement. Je dois fouiller doucement, doucement. Alors, une fille, faisons la connexion est due là-bas au Cameroun. Ta fille, elle n'arrive pas à manger. Tu passes le temps avec la connexion. Un truc ne donne, Facebook ne donne pas, elle ne mange pas l'argent à Facebook. Tu n'as plus de félicité. Ou tu veux me faire la guerre sur Facebook, pourquoi? Ou elle est en concurrence avec qui se met à. Attends, mon compte. Chic, peut-être que Chic veut monter. Chic monte. Le temps que je cherche la vidéo là. Le temps que je vais envoyer, je pense que ça va accepter. Voilà, ça a pris Chic. Mon continent, tu peux aussi monter. Attends, là, c'est pas que le bon gars, c'est comment? Tu as payé le mortgage. Coucou. C'est comment, Kota? Ah, ça va un peu.